Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Depuis que vous suivez mes enseignements, vous savez que la naturopathie, la vraie naturopathie, est la médecine de santé, qui est le contraire de la médecine de maladie que l'on appelle allopathie ou médecine par les médicaments chimiques antisymptomatiques et ou palliatifs, médicaments fort utiles dans les cas d'urgence et d'exception, mais totalement inefficaces pour faire de la vraie santé, c'est-à-dire de la santé naturelle. La santé naturelle est celle que l'on acquiert naturellement, sans médicaments, et qui résulte d'une hygiène interne et d'une bonne vitalité. Depuis que vous suivez mes enseignements, vous savez aussi que la vraie naturopathie est à la fois une philosophie, une science et des techniques. Vous savez aussi que le principe philosophique de la vraie naturopathie est le vitalisme. Alors, qu'est-ce que le vitalisme? Le vitalisme repose sur le fait que l'organisme vivant est animé par une force vitale qui est homéostasique, c'est-à-dire qui rééquilibre tous nos processus vitaux, force vitale qui active, qui anime nos digestions, nos assimilations et notre régénération, notre guérison lorsque l'on tombe malade. On peut dire que cette force vitale est intelligente, puisque homéostasique, puisque guérisseuse. Cette force vitale est en vérité la conscience dont nous sommes dotés. La question que tout le monde se pose est la suivante. Qu'est-ce que la conscience? Et quelle est sa cause? La conscience est la vie. Et la vie est la conscience. Pour les scientifiques, et donc pour la médecine allopathique, la vie et donc la conscience sont le résultat de réactions physico-chimiques. Pour eux, c'est l'activité du cerveau, de la matière, qui produit la conscience, la vie. Pour nous, médecins naturopathes, psychobiologistes, c'est l'activité de la conscience qui crée le cerveau, qui crée la matière. En effet, sans force vitale, intrinsèque, j'insiste sur le mot intrinsèque, donc sans conscience, aucune réaction physico-chimique ne peut se produire d'elle-même. D'ailleurs, le mot « réaction » dit bien qu'il y a action avant la réaction. En effet, il ne peut y avoir une réaction sans action préalable. Et la cause d'une réaction, quelle qu'elle soit, est la force de l'action. Donc la force vitale, donc la vie, donc la conscience. Mais d'où vient la conscience, la force de vie, qui est le principe même du vitalisme? Alors pour répondre correctement à cette question, il faut remonter à l'origine, c'est-à-dire avant la naissance de l'univers
matérielle, donc bien avant l'avènement du Big Bang. En fait, qu'y avait-il avant le Big Bang? Et quelle est la cause du Big Bang qui a donné naissance à notre univers matériel, donc à la vie biologique? S'il y a eu un Big Bang, c'est la preuve qu'il y a eu et qu'il y a eu et qu'il y a une cause à ce Big Bang. Pour les scientifiques, le Big Bang est apparu spontanément. Étant donné qu'un effet est toujours causé par une cause, que cette cause soit connue ou inconnue, il ne peut y avoir un événement spontané, donc un effet sans sa cause. C'est logique. Le Big Bang a donc été causé par une cause. Alors, quelle est cette cause? On va essayer d'y répondre. Voyons maintenant quelle est la cause du Big Bang. Depuis des milliers d'années, les penseurs et les chercheurs se posent la question suivante. Quelle est la cause du Big Bang qui a donné naissance à l'univers physique, à la matière, au monde matériel, à travers lequel monde matériel s'exprime le vivant biologique que nous sommes? Lors de ma conférence du 28 janvier dernier, je vous ai donné très succinctement la réponse logique à ce phénomène et je voulais expliquer tout aussi logiquement et d'une façon plus approfondie dans mon livre « Vaincre la maladie, le vieillissement et la mort » que je vous ai donné, ouvrage philosophique, scientifique et technique, qui devrait être à la base de toutes les études scientifiques, quelles qu'elles soient, parce qu'il s'agit du vivant, et que rien n'est plus important que la vie, donc que la santé naturelle qui découle du phénomène vital qu'est la vie. Je vous ai également dit que toute création matérielle découle de la pensée, donc de la conscience psychologique. Je vous ai également dit qu'il ne peut y avoir de science, donc de faits palpables, sans conscience psychologique. Je vous ai également dit que la conscience psychologique n'est pas matérielle physique, mais métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est physique. En effet, personne n'a jamais vu, ni touché, ni sous-pesé la conscience psychologique. Et cependant, la conscience existe. Sinon, nous n'existerions pas, tout simplement. Donc, tout ce qui existe découle de la conscience psychologique, donc de l'esprit. Si donc la conscience, qui est métaphysique, crée un événement scientifique, comme par exemple un objet reproductible à volonté, c'est la preuve indiscutable que la conscience psychologique est scientifique. Étant donné que la conscience psychologique est métaphysique, le métaphysique est donc scientifique. C'est de la logique. Or, il s'avère que les scientifiques du monde entier affirme, par ignorance, que le métaphysique n'est pas scientifique, mais est philosophique. En affirmant que le métaphysique n'est pas scientifique, il prouve par là même qu'ils ne sont pas des scientifiques, mais des scientistes. La nuance d'importance.
Le scientiste étudie la matière et uniquement les composés de la matière. Et il cherche dans la matière le secret de la vie, qui est métaphysique. Donc, hors de ce qui est physique, matériel. Chercher le secret de la vie dans la matière, c'est tourner le dos à sa découverte. Le scientifique, lui, ne se contente pas d'étudier la matière. Il veut en plus savoir la cause qui a créé la matière. Donc, qui avait-il avant l'apparition de la matière de notre univers? Et enfin, il veut savoir ce que devient la matière. Bref, le scientifique veut savoir, petit a, d'où venons-nous? Petit b, pourquoi sommes-nous ici-bas? Et petit c, où allons-nous? Quelle est notre finalité? En d'autres termes, le scientifique veut comprendre et savoir la causalité et la finalité de la vie. Connaître la causalité de la vie et la finalité de la vie, c'est du même coup connaître la causalité et la finalité de notre santé, d'une part, c'est connaître aussi la causalité et la finalité de nos maladies, d'autre part. Avant de savoir ce qu'est la santé naturelle, et donc la maladie, laquelle est un manque de santé, et non pas le contraire de la santé. Je me permets de vous présenter le schéma suivant, qui explique la logique de mon raisonnement. Observez bien ce tableau. Au départ, vous avez la conscience psychologique. La conscience psychologique, c'est le jeu fameux « je pense donc je suis » de Descartes. « Je pense donc je suis ». La conscience psychologique va donner des idées, des pensées. La conscience est métaphysique, elle est immatérielle. Le métaphysique est de la philosophie de la vie. Nous ne sommes pas dans la philosophie classique, nous sommes dans la philosophie de la vie. Explication. Au départ, la conscience. La conscience génère des idées, des pensées et émet une hypothèse. Je pense que je suis capable d'inventer ceci. Ou cela. Peu importe. C'est une hypothèse. L'hypothèse va donner naissance à des événements, c'est-à-dire à des prototypes. Parfois, elle peut donner naissance directement à une théorie. La théorie donne naissance à un fait. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Tout ce qui existe est un fait. Le fait, reproductible à volonté, est de la science. C'est incontestable. Mais la science est reliée à quoi? Elle découle de la conscience. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de science sans conscience psychologique. C'est logique. Ce qui veut dire que la conscience psychologique est scientifique. Ce qui veut dire que la philosophie de la vie est scientifique de ce fait. Or, il s'avère que la philosophie de la vie n'est pas enseignée dans les universités d'État, parce qu'elle n'aboutit pas à la création d'emplois selon la croyance de nos
gouvernement. Du fait qu'elle est la base de toute logique, donc de tout raisonnement logique, mais du fait qu'elle n'est pas enseignée officiellement, on prive les étudiants de ces universités d'État. On les prive de quoi ? Eh bien, on les prive de toute réflexion logique, de tout raisonnement logique et de tout jugement logique. Les universités d'État ou privées, mais accréditées ou financées par les divers États, forment bien des scientistes, mais pas des scientifiques. Or, un scientiste est un être humain amputé de toute sa lucidité, ignorant la loi vitale et spéciale d'action et de réaction, c'est-à-dire de cause à effet, appelée loi vitale, de symétrie cosmique que je développerai dans un instant. C'est pour cette raison qu'un scientiste ne peut effectuer que des recherches et le cas échéant, que des découvertes antisymptomatiques, donc non causales. Le scientiste raisonne sur l'effet d'une cause, alors que le scientifique raisonne sur la cause de l'effet. Les recherches et le cas échéant, les découvertes des scientistes aboutissent à des conclusions erronées, qui sont nombreuses en médecine, allopathique, chimique, par exemple. La médecine allopathique raisonne sur l'effet qu'elle prend pour la cause, d'où son erreur doctrinale qui n'aboutit qu'à faire de l'antisymptomatisme et du palliatif. De ce fait, l'allopathie, c'est-à-dire la médecine chimique classique, usuelle, n'est qu'une médecine de maladie qui vise à combattre les maladies. Par contre, la médecine naturopathique raisonne sur la cause. Elle part du principe logique que la suppression de la cause entraîne automatiquement la suppression de l'effet. La médecine allopathique chimique est inductive. Elle part de la particularité pour essayer d'atteindre la généralité qu'elle ne peut atteindre. La médecine chimique allopathique pense par induction. Par contre, la médecine naturopathique, naturelle, est déductive. Elle part de la généralité pour atteindre la particularité qu'elle atteint, elle pense par déduction. De ce fait, la naturopathie, c'est-à-dire la médecine orthopsychobiologique, est une médecine de santé naturelle qui ne vise pas à combattre la maladie, la particularité, mais à développer la santé, c'est-à-dire la généralité, compte tenu que c'est la santé développée qui chasse la maladie, comme c'est l'eau ajoutée dans une bouteille dite vide qui chasse l'air qui s'y trouve. Allopathie et naturopathie ont une vision de la vie diamétralement opposée. L'allopathie voit le verre à moitié vide. Elle voit la maladie. La naturopathie voit le verre à moitié plein. Elle voit la santé. De ces deux conceptions, il découle deux types de thérapies. L'allopathie fera de l'antisymptomatisme ou du palliatif, à l'aide de médicaments chimiques spécifiques dont l'efficacité antisymptomatique ou palliative n'a d'égal que leur toxicité,
toxicité qui entraîne inévitablement une dévitalisation progressive et insidieuse des malades, les conduisant à la dégénérescence tout aussi progressive et insidieuse. La vraie naturopathie ne combat pas les maladies, mais aide les malades à éliminer la cause première profonde de leur maladie. La naturopathie, la vraie, vise à épurer l'organisme et à augmenter le degré de vitalité, compte tenu que c'est la vitalité, la force vitale de symétrie cosmique, qui est homéostasique, restauratrice, régénérante, guérisseuse en cas de maladie. Néanmoins, l'allopathie est utile dans les cas d'extrême urgence et les situations dramatiques exceptionnelles. Par exemple, en cas de mal asthmatique, en cas d'infarctus du myocarde, en cas d'un accident vasculaire cérébral, en cas d'une méningite aiguë, etc., etc. Quand une maison est en train de brûler, on appelle urgemment les pompiers. Mais tout le monde sait que l'eau déversée par les pompiers sur la maison et dans la maison fait autant de dégâts que le feu. Le feu représente la maladie. L'eau déversée par les pompiers représente le médicament chimique répresseur qui éteint le feu, mais qui altère profondément la maison, c'est-à-dire l'organisme déjà malade. Pour éviter l'incendie, c'est-à-dire la maladie, eh bien, il faut pratiquer la vraie naturopathie. Et après l'incendie, après la maladie, eh bien, il faut tout reconstruire. Et seule la vraie naturopathie peut le faire. L'allopathie, je le redis, est en fait la médecine voulue par tous ceux qui refusent d'obéir à la loi vitale de symétrie cosmique ou qui pensent à l'envers de cette loi qui nous régit inexorablement. C'est la médecine de tous ceux qui veulent en même temps le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire une chose et son contraire, c'est-à-dire la facilité dans l'irresponsabilité. C'est la médecine de tous ceux qui refusent de se repenser à l'endroit, de se responsabiliser, de se prendre en charge. Bref, d'obéir au code de la vie. Car il existe un code de la vie, comme il existe un code de la route, un code de bonne conduite vitale, psychologique et biologique. Alors, qu'est-ce que la loi de symétrie cosmique qui régit inexorablement tous nos processus vitaux? Pour comprendre cette loi qui nous régit inexorablement, il faut revenir au cosmos, à l'origine de tout événement. Dans mon livre, Vaincre la maladie, le vieillissement et la mort, j'ai dit que le cosmos est une structure. Et qui plus est, une structure symétrique, à la fois statique et dynamique, une structure symétrique constituée d'un côté droit et d'un côté gauche, identique mais inversement fonctionnel comme nos deux mains, en fait comme notre propre organisme. En fait, le cosmos est un organisme vivant, à la fois infini par son aspect statique et fini par son aspect dynamique duquel nous sommes nés.
ce vide sidéral, appelé cosmos, n'est pas vide, comme le croient les scientifiques, mais au contraire plein d'énergie, plein de force vitale, plein de force vibratoire, métaphysique, que certains nomment prana, énergie vibratoire subtile, absolument complète, donc parfaite, donc éternelle. En effet, si le vide cosmique était vide, absolument vide, le cosmos infini aurait implosé sur lui-même et nous ne serions pas là en train d'en discuter. Donc le cosmos est une structure symétrique qui fait loi. Une structure constituée d'éléments statiques comme l'océan, par exemple, est constituée d'éléments dynamiques comme les êtres vivants dans l'océan. Ce n'est pas l'océan qui est pensant, qui est la conscience psychologique, mais les êtres qui vivent dans l'océan. Les êtres qui vivent dans l'océan tirent leur énergie de l'océan. L'eau de l'océan est hors d'eux et en eux en même temps. Le cosmos est en fait l'esprit cosmique. Le premier principe immatériel de base et la conscience psychologique constituée de deux parties identiques mais inversement fonctionnelles est le deuxième et le troisième principe de base. L'esprit est la métalumière noire froide. La conscience est la métalumière blanche chaude. L'esprit est infini alors que la conscience est finie. L'esprit n'est pas la conscience et la conscience n'est pas l'esprit. Toutefois, l'un et l'autre, étant l'un dans l'autre, ne font qu'un, comme l'océan et le poisson qui ne font qu'un. Ainsi donc, l'esprit et la conscience ne font qu'un seul et même principe. Et tous deux sont, à l'origine, métaphysiques, métalumineux, immatériels. L'esprit est la force vitale de la conscience. Et la conscience psychologique est en vérité le rêve, donc la vie de l'esprit. La conscience psychologique est énergisée par l'esprit, comme le poisson est énergisé par l'eau de l'océan. La conscience respire l'esprit. Elle s'énergise et s'épure par la respiration. Ce qui veut dire que la conscience respire comme un poumon, donc bat comme un cœur. Toutes les structures cosmiques, métaphysiques, immatérielles, respirent et battent comme un cœur. Entrée de l'oxygène dans le sang rouge, dans les tissus, ça c'est le cœur bien entendu, donc le sang rouge arrive, le sang méculé arrive dans le cœur, du cœur va dans les tissus, des tissus c'est le sang bleu qui remonte vers le cœur et via l'expiration par le poumon. Entrée de la vitalité et sortie de la morbidité. C'est la respiration. Entrée des éléments vivants,
fluidique et la sortie des éléments morbides. Par le poumon, vous avez le cœur gauche, le cœur droit, les tissus, donc les cellules, les biotons. C'est le milieu anthropique caractéristique de l'espace-temps physique. Anthropique. Voilà, donc vous avez le système de la respiration. Du moment qu'il y a respiration, il y a battement cardiaque, il y a pulsation. Voici matérialisé donc le fonctionnement de la conscience, qui est une structure mécanique, ondulatoire, vivante. C'est un organisme ondulatoire à lui seul. Alors maintenant, voyons l'anatomie physiologique de la conscience psychologique. Comment on est fichu, comment ça fonctionne là-dedans? Comme je viens de le souligner, la conscience psychologique est constituée de deux parties identiques, mais inversement fonctionnelles, comme la main droite et la main gauche, qui sont identiques, mais inversement fonctionnelles. Toutes deux sont faites pour être mises en phase. Chaque partie est une demi-pile, potentiellement fonctionnelle. Et les deux demi-piles réunies font une pile fonctionnelle, comme une pile atomique, par exemple. Voici une demi-pile et voici une autre demi-pile. Elles ont été mises en phase. Dans un lecteur de cassette, mettez donc deux piles dans le même sens. Ça ne marche pas. Mettez-les en sens inverse. Ça marche. Parce qu'il y a un circuit qui s'est fait. Et ce circuit est de type électromagnétique, tout simplement. À l'origine, chacune de ces demi-piles est subconsciente, quadridimensionnelle, c'est-à-dire sublime. D'où le terme de subconscient, qui veut dire conscience sublime. Donc, métaphysique. Métalumineuse, donc parfaite, donc neutre, donc éternelle, donc divine de ce fait. Du fait que ces deux demi-piles sont identiques, mais inversement fonctionnelles, ce système se comporte comme un couple de type mâle et femelle. Le type mâle est une force verticale, imprimante, comme justement vos crayons qui grave l'encre dans le papier. C'est une force centripète de type électrique pro-créatrice. Le type femelle est une force horizontale exprimante, centrifuge de type magnétique créatrice. Nous avons donc là un couple ou un système de type vita-électromagnétique fonctionnant harmoniquement selon un mode à 8 ans. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce système représente le pensée holistique originel, symétrique, donc harmonique. Étant donné que la conscience est symétrique à l'origine, bien avant l'avènement du Big Bang, qui a donné naissance à notre univers physique, on peut la représenter, cette conscience, soit par un rectangle, constitué de deux parties identiques, 50-50. C'est un système symétrique. Ou alors le système des vases communicants, 50-50. Nous avons là des systèmes neutres,
des systèmes symétriques d'ordre neutre. Comme il est neutre, il est parfait. Et comme il est parfait, il est éternel. Voilà le parfait. Ça, c'était notre conscience, qui était le subconscient gauche originel. Il était symétrique. Nous avons donc là un système neutre, donc un système parfait, qui est un système androgyne, à la fois de type mâle et de type femelle. Mâle et femelle étant identiques, mais inversement fonctionnels. Chacune de ces deux parties étant à égalité de fonction, 50-50 égale 100. Le chiffre 100 représente la perfection, le parfait, donc l'éternel. Le parfait est éternel, parce que parfait. Il est la loi, j'y reviens. Il est la loi, donc la vérité, donc la vie, donc la résurrection, comme cela est dit dans les Saintes Écritures. Je le redis, à l'origine, bien avant l'avènement du Big Bang, la conscience, constituée de deux subconscients identiques mais inversement fonctionnels, la conscience est parfaite, sublime, éternelle. C'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant, c'est-à-dire un être androgyne, mais métaphysique, immatériel. C'est une conscience parfaite, une vie parfaite, la paix absolue, donc le parfait bonheur. La vie, c'est-à-dire la conscience psychologique, est une, mais pyramidale, hiérarchisée. Le plus petit étant identique au plus grand. Comme dans les fractales, ou comme dans le système des poupées russes. Ce qui a donné lieu à une multitude de dieux, c'est-à-dire de niveaux de conscience. Chacune de nos cellules pense comme nous pensons. Voilà le système pyramidal. Il n'y a qu'une vie. Les minéraux, les végétaux, les animaux dits inférieurs et les animaux dits supérieurs. Il n'y a qu'une vie. L'homme ne pourrait pas penser comme il pense s'il n'était pas la somme des pensées cellulaires dont il est constitué. À l'origine, c'est-à-dire bien avant le péché originel mortel, c'est-à-dire avant la dissymétrie mentale entretenue des dieux originels, les dieux originels, du plus petit au plus grand, ne faisaient qu'une seule vie. Ce n'est qu'après la matérialisation des dieux, donc par suite du divorce entre Ève et Adam, j'aurai l'occasion de vous expliquer ce que c'est, c'est-à-dire le divorce entre le subconscient originel gauche et le subconscient originel droit, que les dieux matérialisés, c'est-à-dire les êtres biologiques que nous sommes, ont cru naïvement à la différence de valeur entre une vie et une autre vie. C'est nous qui faisons la différence. C'est nous qui décidons. Exemple, la vie d'un poulet est inférieure à la vie d'un être humain. La vie d'un être humain vaut plus que la vie d'un poulet. Tuer un poulet n'est pas un assassinat. Tuer un être humain est un assassinat. Mais ça, ce sont nous, les hommes, qui le disons. En vérité, la vie est une. Intrinsèquement une. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule conscience psychologique, mais se manifestant sous des formes,
sous des apparences et à des degrés multiples. La force vitale d'un poulet, par exemple, est la même que celle de n'importe quel animal. Or, l'être humain est un animal parmi tous les autres animaux. Et l'auto-guérison d'un poulet, par exemple, eh bien, est effectuée par la même force vitale que celle de l'être humain. Pour conclure sur ce point, on peut dire en toute logique que la vie d'un poulet, par exemple, vaut la nôtre. Et l'on ne devrait pas tuer un animal pour le manger. On ne devrait pas. Tuer un animal, c'est tuer une personne. C'est éteindre une conscience psychologique, c'est-à-dire la vie. Les dieux de toute race se sont auto-créés au sein de l'esprit cosmique à partir de deux éléments spéciels, identiques et dynamiques, se sont créés à partir de la structure cosmique, identique mais toujours inversement fonctionnelle. Éléments qui se sont unis, obéissant ainsi à la loi spéciale d'attraction qui veut que ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est exactement comme cela que l'enfant humain s'auto-crée dans l'utérus d'une femme à partir de deux gamètes identiques mais inversement fonctionnels. Le spermatozoïde, qui est une force de type électrique, et l'ovule, qui est une force de type magnétique. J'ai bien dit s'auto-créer. N'a pas été créé, se sont auto-créés. Du fait que l'électrique est attiré par le magnétique, son pôle inverse, et que le magnétique est attiré par l'électrique, son pôle inverse, étant donné qu'il n'y a pas d'électrique sans magnétique, et pas de magnétique sans électrique, de cette union, il en est résulté un couple de type mâle et de type femelle qui est le pensée holistique, un système de type électromagnétique, à la fois rotatoire, alternatif et donc pulsatif, donnant à la conscience psychologique, aux pensées holistiques, le libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de dire oui ou de dire non, d'aimer ou de haïr, donc de penser et de faire ce qu'il veut, mais dans le cadre de la loi vitale, de symétrie cosmique évidemment. Du fait que le subconscient gauche, compte tenu que nous étions à l'origine deux subconscients, l'un gauche et l'autre droite, du fait que le subconscient gauche peut dire oui ou non, il peut osciller dans un sens ou dans un autre, il peut aller dans l'excès de ces deux pôles, la raison ou l'émotion, l'égoïsme ou l'altruisme, la haine ou l'amour. Lorsque le subconscient gauche, procréateur, demeure parfait, c'est-à-dire symétrique, donc neutre, donc androgyne, la puissance de la haine et la puissance de l'amour, par exemple, s'équilibrent à 50-50. Et alors le dieu originel, c'est-à-dire le pensée holistique, demeure sublime, donc métaphysique. Mais quand il se fige, quand il se bloque sur un excès de haine ou d'amour, par exemple, il devient dissymétrique, c'est-à-dire négatif. Or, le négatif est le néant. Le néant, c'est la matière. Le contraire du positif, le contraire de l'immatière. La matière est née de l'immatière. Elle n'est que de l'immatière négativée. Un dieu vivant n'a en lui
ni haine, ni amour. Mais les deux forces, au même degré de puissance, qui fait sa neutralité, donc sa pérennité, donc la vie éternelle. Voilà les déséquilibres. Ces croquis représentent les déséquilibres du subconscient originel gauche, qui est notre conscient actuel. Alors il convient de toujours se souvenir que c'est le subconscient gauche, de type électrique, centripète, qui est l'élément mâle, procréateur du pensée holistique, et que c'est le subconscient droit, de type magnétique, centrifuge, qui est l'élément femelle, créateur du pensée holistique. C'est le mâle qui a le premier mot. Il procrée. Mais c'est la femelle qui a le dernier mot, elle crée. Le mâle procrée, la femelle crée. Tant que la fonction demeure fonctionnelle, c'est-à-dire symétrique, alternative, équilibrée, neutre, c'est-à-dire oscillant autour d'un point iso-neutre, le Dieu vivant, la conscience psychologique, demeure équilibré, donc androgyne, neutre, donc éternel, c'est-à-dire symétrique, quadridimensionnel, donc sublime, donc métaphysique. Il n'y a alors aucun excès de la part du subconscient gauche procréateur. Mais quand le subconscient gauche, le procréateur, demeure bloqué sur l'un de ses excès, excès d'égoïsme, excès d'altruisme, excès d'amour, excès de haine, déséquilibré, eh bien, quand il demeure bloqué sur un excès, il se déséquilibre, il perd son caractère androgyne, il perd sa divinité suite à la disparition de sa neutralité, de sa symétrie fonctionnelle, de sa luminescence, c'est-à-dire de sa vitalité originelle, et la métalumière blanche cosmique s'éteint, formant la matière, le néant, le froid glacial, bref, les ténèbres. C'est ce déséquilibre entretenu qu'est le péché originel mortel dont parlent les saintes écritures en termes voilés, allégoriques, ne pouvant être compris que par des initiés. Et ce déséquilibre entretenu est appelé négativité mentale. En termes clairs, c'est la négativité mentale des dieux originels dont nous sommes les descendants qui a créé la dissymétrie cosmique du pensée holistique originel, laquelle dissymétrie a donné naissance à la matière, à l'univers physique, par simple abaissement de sa fréquence vibratoire originelle, maintenue abaissée, relativement collapsée. La matière, donc notre propre corps physique, est de la négativité mentale somatisée, de la conscience abaissée, c'est-à-dire du néant, de l'entropie, de la mort. Le contraire de la négantropie, c'est-à-dire le contraire de l'énergie de la vie. La matière traduit le degré de la perte de conscience psychologique originelle. Et une perte de conscience est une perte de lumière. En fait, une perte de luminescence, une perte de lucidité d'esprit, donc une perte de réflexion objective, de raisonnement objectif,
une perte de jugement objectif. Le penser holistique, qui avait 100% de négantropie, d'énergie, donc à l'état métaphysique, est tombé à 99% de négantropie, donc à l'état physique, matériel. Il est passé de l'absolu au relatif, de l'immatière à la matière, de la vie métaphysique à la vie physique, par simple abaissement entretenu de sa luminescence, de sa lucidité, de son intelligence. L'être vivant biologique que nous sommes est un ancien Dieu, un Dieu auto-déchu, auto-décapité de sa sublimité originelle, un Dieu auto-matérialisé par inconscience relative. Et l'univers physique matériel, donc notre propre corps physique, qui est la traduction et le prolongement de notre négativité mentale originelle, est l'enfer, le rendez-vous de tous les ratés du ciel, bref, un asile de fous, plus ou moins furieux, c'est-à-dire plus ou moins mentalement négatif, dissymétrique, fonctionnant sur un mode à 7 temps, donc sur un mode disharmonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sur un mode disharmonique, et il manque ici la sublimité, le do. Alors qu'à l'origine, le penser holistique des dieux originels fonctionnait sur un mode harmonique, fonctionnant sur 8 ans, 2 fois quadridimensionnel. Voilà le dieu originel. La force verticale et la force horizontale, le mâle et la femelle, le subconscient gauche et le subconscient droit ne faisaient qu'un. Le penser holistique des dieux originels métaphysiques. Nous n'étions que de la pensée. Le penser holistique d'un être biologique, physique, matériel, fonctionne comme un moteur à 7 temps, alors qu'à l'origine, il fonctionnait comme un moteur à 8 ans. L'être biologique est donc un être disharmonique, un déséquilibré mental, donc un être de transition, un être dont la finalité est de redevenir un Dieu, un être parfait, donc un Dieu vivant éternel. Il doit donc s'élever au-dessus de son animalité actuelle pour atteindre l'humanité, et il doit s'élever ensuite au-dessus de son humanité pour atteindre la divinité qui est son essence originale. S'élever au-dessus de soi, c'est se verticaliser. C'est transmuer ses sentiments négatifs anthropiques, dissymétriques, morbido-pathogènes, en sentiments positifs, négantropique, symétrique, hygiéno-vitalogène. Voici le penser holistique d'un être biologique. Et vous vous rendez compte que le mâle s'est séparé de sa femelle parce qu'il a généré en lui de l'entropie. Et c'est cette entropie qui sépare l'âme du Christ. Il ne faut pas avoir d'a priori. Ce qui veut dire que l'entropie nous a bouffé 2% d'intelligence et notre conscient n'a que 48% d'intelligence au lieu d'en avoir 50%.
Notre subconscient, lui, il est toujours symétrique. Il est la puissance parfaite en nous. Voilà le corps physique. Nous avons donc ici le conscient, le subconscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est le corps physique. Pourquoi l'inconscient ? Eh bien, parce que le corps physique n'est pas conscient. Et il n'est pas conscient parce qu'il n'a pas d'intelligence par lui-même. En examinant bien le croquis ci-dessus, on remarque que la désunion du subconscient gauche et du subconscient droit s'est traduite par la formation d'un corps matériel anthropique dans le subconscient gauche, qui est notre corps physique. Et conséquemment, on a là un conscient, un subconscient et un inconscient. L'inconscient, c'est notre propre corps physique. C'est le subconscient gauche, l'élément mâle du pensée originel, holistique, qui a causé la mort des dieux originels en devenant dissymétrique et en demeurant dissymétrique, donc hors la loi vitale de symétrie cosmique. Le subconscient droit, l'élément femelle sublime du pensée holistique, toujours symétrique, accompagne en enfer, dans la matière, dans sa mort spirituelle, le subconscient gauche, auto-désublimé. C'est le subconscient symétrique de notre pensée holistique qui est homéostasique, régénérant, donc guérisseur, parce qu'il est toujours symétrique. Et que la symétrie tend toujours à éliminer la dissymétrie. Elle tend toujours à retrouver sa symétrie holistique, originelle, selon le système des vases communicants. Retenons bien que c'est la négativité mentale qui induit la fabrication de matière anthropique, donc de morbidité pathogène et conséquemment de mort. La matérialisation des dieux autodéchus, autodésublimés, traduit la morbidité de leur conscient gauche, de leur subconscient gauche, c'est-à-dire de leur âme. La matière, donc notre propre corps physique, n'est que de la morbidité, c'est-à-dire de la négativité, de la dissymétrie mentale, concrétisée, matérialisée par le subconscient droit originel, qui est le Christ, la loi vitale, la vie. Retenons que tout sentiment suscité par le conscient, par le mental d'un être vivant est somatisé, concrétisé par son partenaire intime, le subconscient réactionnel, concrétiseur, créateur, qui est l'ordinateur du pensée holistique. Notre subconscient n'est qu'un ordinateur. Il fait ce que le conscient lui dit. Quand vous tapez sur le clavier d'un ordinateur, vous êtes le conscient qui dit « je t'aime ». Et vous cliquez et l'ordinateur vous renvoie sur papier imprimé le mot « je t'aime ». Mais si vous lui dites « va te faire foutre », l'ordinateur vous répondra « va te faire foutre ». En d'autres termes, c'est notre subconscient qui fait comme notre conscient lui a fait préalablement. Il y a donc en l'être biologique une partie dissymétrique, donc négative, éthio-morbido-pathogène, et une partie symétrique, donc positive, éthio-hygiéno-vitalogène, auto-guérisseuse. C'est cette symétrie fonctionnelle qui est la force vitale intrinsèque, dite innée. La finalité
d'une repositivation mentale est de transmuer le négatif en positif. C'est, symboliquement, transmuer le plomb en or par alchimie mentale. Maintenant, je vais vous parler de Adam et Ève. Les saintes écritures disent que nous sommes les descendants de Adam et Ève. Adam et Ève ne sont pas des êtres physiques, d'os et de chair, comme on le croit naïvement, mais les deux demi-piles inversement fonctionnelles du pensée holistique. Adam et Ève originels constituent un Dieu originel. Adam symbolise le subconscient droit, originel, du pensée holistique, originel, c'est-à-dire d'avant le Big Bang. Ève symbolise le subconscient gauche originel, du pensée holistique originel, d'avant le Big Bang. Adam est l'élément femelle, concrétiseur, créateur du pensée holistique. Ève est l'élément mâle, abstracteur, procréateur du pensée holistique. Du fait que Ève se lie à l'envers comme à l'endroit, que de ce fait, il peut dire oui ou non, prouve bien qu'il est l'élément mâle, actionnel, procréateur, abstracteur du pensée holistique, tandis que Adam est l'élément femelle, réactionnel, créateur, concrétiseur. D'ailleurs, les saintes écritures disent bien que c'est Ève qui a péché, c'est-à-dire qui a pensé à l'envers, dissymétriquement, et qui a de ce fait entraîné Adam en enfer, c'est-à-dire dans la matière anthropique qui est le monde des morts spirituels. Adam ne possède pas la capacité de dire oui ou de dire non. Il est en effet incapable d'analyse, d'interprétation et de discrimination, qui ne sont que les attributs que du subconscient gauche, donc de notre conscient actuel. Adam ne fait que concrétiser les abstractions, c'est-à-dire les programmations d'Ève, qui est l'architecte, qui est l'ingénieur, le programmeur. Comme l'ovule ne fait que concrétiser les abstractions, les informations du spermatozoïde qu'il a pénétré. C'est de la logique. Adam est le concrétiseur. Il est le créateur. Il est le bâtisseur. En effet, Ève est l'architecte ou l'ingénieur, abstracteur, celui qui programme, qui réalise le plan de construction, c'est le procréateur. Il ne crée pas, il procrée seulement. Il induit une création, positive ou négative, selon qu'il pense à l'endroit ou à l'envers, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, je vais vous parler de Abel et Caïn. Les saintes écritures, qui sont un livre de vie pratique, disent encore ceci. Ève, le subconscient gauche, procréateur, et Adam, le subconscient droit, créateur, ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Caïn et Abel ne sont pas non plus des êtres physiques
d'os et de chair, comme on le croit naïvement, mais des états mentaux. Caïn symbolise l'état mental négatif, la haine par exemple. Abel symbolise l'état mental positif, l'amour par exemple. Le penser holistique a donc deux possibilités, soit de penser positivement, soit de penser négativement, ce qui donne le libre arbitre. Je vous rappelle qu'un Dieu originel, éternel, n'a ni haine ni amour, ni négativité mentale, ni positivité mentale, mais les deux forces au même degré de puissance, de fonction, 50-50. Il est donc neutre. Et c'est pour cette raison qu'il est androgyne, parfait, donc éternel. Retenez bien qu'il n'y a pas de positif sans négatif. Et pas de négatif sans positif. Donc pas d'amour sans haine, son pôle inverse. Et pas de haine sans amour, son pôle inverse. Donc pas de femelle sans mâle, et pas de mâle sans femelle. C'est le système de yin et yang. Les deux pôles opposés. Sinon, nous ne pourrions pas exister. Caïn a tué Abel, disent les saintes écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que les sentiments négatifs ont dominé les sentiments positifs suscités par le subconscient gauche originel, par le procréateur. Autrement dit, la dissymétrie a dominé la symétrie du subconscient gauche originel, c'est-à-dire l'âme. Il en est résulté la matérialisation du mental, c'est-à-dire du subconscient gauche originel, donc de Ève, l'extinction d'une des trois lumières de la Sainte Trinité constituée par l'esprit et par les deux éléments inversement fonctionnels du pensée holistique, le subconscient gauche Ève et le subconscient droit Adam. Ressusciter le troisième jour, c'est-à-dire Ève, c'est ressusciter le sentiment positif dans notre mental, qui est Ève. C'est ressusciter le troisième jour, Ève. C'est angéliser Ève, d'où le terme de Ève angélisée. Évangélisée. Et les trois rois mages qui rendent grâce à l'avènement du royaume du Dieu vivant, cité par les saintes écritures, symbolisent tout simplement la réunification des trois principes de la Sainte Trinité, c'est-à-dire de l'esprit d'Ève et d'Adam. C'est ça que ça veut dire. L'évangélisation des humains, mal comprise par les exégètes, et donc mal enseignée par l'Église dite chrétienne, n'est que la repositivation scientifique de notre mental. Ex-subconscient gauche, repositivation mentale qui vise à gommer les excès de sentiments, qui vise à aider le déviant mental à se reprogrammer symétriquement, c'est-à-dire à l'endroit. Voyons maintenant les fausses croyances. À propos du mot évangéliser, le petit Larousse dit ceci: évangéliser,
c'est prêcher l'évangile, c'est prêcher la doctrine de Jésus-Christ. En vérité, ce n'est pas cela que ça veut dire. En vérité. Évangéliser, c'est angéliser Ève. C'est rendre divin Ève, le fauteur, qui a programmé à l'envers son partenaire intime Adam, celui qui a mis ainsi à l'envers le cosmos, c'est-à-dire l'esprit, le paradis céleste, celui qui a créé l'enfer, l'univers matériel, donc le biologique. Ève angélisée, Ève, trait d'union, E-V, trait d'union angélisée, vous avez le mot évangéliser. Évangéliser, c'est ressusciter la positivité en Ève, dans notre mental pro-créateur. Ève, notre conscient, est le partenaire intime d'Adam, notre subconscient. Et d'ailleurs, il en est du même du mot rêver. Rêver. Ce mot peut également être lu à l'envers comme à l'endroit. Il ne concerne donc que Ève. À ce propos, le petit Larousse dit encore ceci. Rêver, c'est faire des rêves. C'est penser de manière vague. En vérité, ce n'est pas cela que ça veut dire. Rêver, c'est refaire Ève originelle. C'est ressusciter la positivité, la vie en Ève. C'est-à-dire dans notre mental. C'est rendre symétrique, c'est le rendre symétrique à nouveau. Et donc seule Ève peut rêver, se repositionner à l'endroit, c'est-à-dire symétriquement. Rêver, c'est allégoriquement transmuer le plomb en or, c'est transmuer l'eau en vin, c'est transmuer la mort en vie. C'est transformer tout simplement la négativité mentale en positivité mentale. C'est transmuer la dissymétrie mentale en symétrie mentale. En fait, c'est faire de la naturopathie psychobiologique. Jésus, dit-on, a été le plus grand naturopathe de tous les temps. En vérité, il n'a pas existé en tant qu'être physique. Jésus est un état mental en cours d'évolution, de repositivation. Jésus n'est pas le Christ. Eh bien, il en est de même du Christ, qui est notre propre subconscient, notre vie, et non un être de chair. À preuve, dans les Saintes Écritures, il est dit, à propos du Christ, qu'il est la loi, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Du fait qu'il est la loi vitale, ce n'est donc pas un être, mais le phénomène vital, la vie, c'est-à-dire la conscience parfaite, éternelle. Évangéliser, c'est mettre le conscient Ève en phase avec son partenaire intime, le subconscient, c'est-à-dire Adam. C'est faire vibrer Ève, le conscient, sur la même longueur d'onde que Adam, notre propre subconscient, qui est le Christ, la symétrie androgynique, la vie, la perfection, donc l'homéostasie, donc le pouvoir guérisseur en chaque être vivant. Autrement dit, nous sommes le Christ, mais on ne le sait pas. Rêver, c'est remettre à l'endroit, symétriquement, notre conscient
dissymétrique négatif. C'est le faire s'identifier à son partenaire intime, le subconscient, qui lui est toujours symétrique. C'est donc éliminer toutes nos distorsions mentales, notre dissymétrie mentale, en fait nos défauts mentaux, en les transmuant en vertu. C'est retrouver la neutralité originelle de nos sentiments, c'est retrouver la paix de l'âme, donc le bonheur absolu. Alors il y a des degrés de négativité mentale. Si après je donne schématiquement les degrés de négativité mentale, de dissymétrie mentale, de distorsion mentale, anthropique, éthiomorbidopathogène, éthiomortigène, c'est-à-dire cause de nos maladies non accidentelles, et aussi cause de nos déformations corporelles, de notre vieillissement, et finalement cause de notre mort biologique. Voici les dissymétries. 50-50, c'est l'état mental Christ. Ensuite, c'est l'état mental Jésus. Jésus qui a 1% de négativité mentale, il a donc 49%, il a perdu un degré. Ici, ça symbolise Jean le Baptiste, qui lui a perdu 2% de négativité. Et lorsque nous perdons 3% de négativité mentale, nous sommes dans la maladie, nous sommes sous-lumineux. Au début, vous avez Jésus, le Christ qui est métalumineux. Jésus qui est lumineux. Jean le Baptiste est sous-lumineux. La maladie est sous-lumineux. Et quand on meurt, on est sous-lumineux. C'est une baisse progressive de notre luminescence, c'est-à-dire de notre force vitale. Ce sont les degrés d'entropie. Là, on meurt. À 46%, on a perdu la totalité de la vie. De la vie conscientielle, biologique. Plus on augmente les excès mentaux, donc la dissymétrie mentale, que ce soit dans un sens ou dans un autre, excès d'égoïsme ou excès d'altruisme, par exemple, excès de haine ou excès d'amour, par exemple, excès d'intolérance ou de tolérance, etc. Et plus on devient dissymétrique et conséquemment, plus on fabrique en soi de la morbidité anthropique, c'est-à-dire des poisons, pathogènes au début, puis mortigènes. Je précise que l'entropie, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est le néant, c'est l'univers physique matériel. La dissymétrie est une perte de luminescence, c'est une perte de lucidité, c'est une perte d'intelligence, c'est une perte de conscience, relative évidemment, donc une perte de vie. L'humain, ayant perdu 2 degrés d'intelligence, de lucidité, fait des erreurs. On dit alors que l'erreur est humaine. La perte de 2% d'intelligence est caractérisée par notre propre corps physique qui est inerte en soi, c'est-à-dire qui n'a pas de conscience psychologique, qui n'a pas de vie en soi par lui-même, donc pas d'intelligence. En effet, le corps physique n'agit pas. Il est agi. Il est animé par une force externe à lui, mais qui l'imprègne comme l'encre imprègne le buvard. Et cette force vitale est celle du subconscient symétrique, homéostasique,
régénérant, guérisseur, ce qui veut dire que la matière est imprégnée de conscience et de subconscience. L'éloignement progressif du conscient de son partenaire intime, le subconscient, c'est-à-dire de sa force vitale, induit une entropie, une dissymétrie, un désordre. De plus en plus grande, entropie de plus en plus grande, qui finit par entraîner une disjonction du trait d'union des deux partenaires, disjonction similaire à une extinction de la lumière, comme le compteur qui disjoncte. Il en résulte la mort de l'être. On dit alors de cet être qu'il s'est éteint. La maladie et donc la mort sont dues à la morbidité anthropique, accumulée. Voici un vase plein d'eau à ras-bord. L'eau représente la vitalité. Si l'on place dans cette eau une brique de 2 ou 3 kilos, l'eau va déborder. Il y aura donc une perte d'eau, donc de vitalité. Et là où il y a une perte de vitalité, il y a affaiblissement des fonctions d'assimilation, de désassimilation, c'est-à-dire d'élimination. Il y a donc une accumulation de déchets digestifs et de résidus toxiques résultant des activités cellulaires et organiques dites métaboliques. Et c'est cette morbidité accumulée, stagnante, qui est la cause déclenchante de nos réactions d'élimination se traduisant par des symptômes appelés maladies non accidentelles. Autrement dit, plus la force vitale intrinsèque, symétrique, homéostasique baisse d'intensité, et plus nos organes s'affaiblissent, perdent leur rendement, ils perdent leur capacité à digérer, à assimiler, ils perdent leur capacité à fabriquer des antipoisons, des antiradicaux libres, ils perdent la capacité de régénérer les tissus. Et conséquemment, plus on accumule en soi de la morbidité, de la crasse interne, étiopathogène, cause de pathologie, et même étiomortigène, cause de mort, et lorsque cette crasse psychorganique dépasse le seuil de tolérance, dépasse l'acceptation de l'homéostasie à composer avec cette morbidité, eh bien l'homéostasie de la force de symétrie cosmique se révolte. En causant quoi? Eh bien en causant des crises d'épuration humoro-cellulaire, crises caractérisées par des symptômes appelés à tort maladie. En vérité, la maladie non accidentelle traduit l'effort d'épuration vitale accompli par le subconscient réactionnel, symétrique, s'exprimant à travers son outil expressionnel essentiel, le système neurovégétatif et hormonal dit autonome, crise épurative, qu'il ne faut pas réprimer, qu'il ne faut pas refouler, mais qu'il faut respecter et ne supprimer qu'en éliminant sa cause profonde. La santé naturelle résulte toujours de l'hygiène interne psychobiologique,
de l'hygiène interne du mental et du corps physique, que j'appelle hygiène psycho-organique des profondeurs. La maladie non accidentelle résulte toujours de ce manque d'hygiène interne psycho-organique, en fait, de la conjugaison de la crasse mentale et de la crasse organique qui sont concomitantes. La crasse mentale psychologique résulte de nos sentiments négatifs dissymétriques habituels, tels que la colère, la haine, les ressentiments, la jalousie, etc., qui induisent une production endogène de poison, d'où nécessité vitale d'une épuration mentale par repositivation mentale effective, appliquée sous auto-hypnose de préférence. La crasse organique résulte premièrement de substances plus ou moins toxiques, biologiques, dissymétriques, que nous mettons habituellement dans notre corps physique, tels que les aliments et les boissons antispécifiques et dénaturées, l'alcool, le tabac, les drogues, les overtoniens, les médicaments chimiques. Cette crasse organique résulte deuxièmement des poisons que nous fabriquons en nous par suite de notre sous-oxygénation, par suite de notre sédentarité habituelle, plus ou moins importante et plus ou moins chronique, résulte d'une hypotranspiration, par suite également d'une carence de sommeil profond et suffisant, bref, par suite d'un manque d'amour pour notre subconscient, pour notre Christ interne, c'est-à-dire pour nos processus vitaux, pour notre vie. Alors, en conclusion provisoire, retenez bien que c'est la dissymétrie fonctionnelle, donc mentale, qui entraîne la dissymétrie structurelle, donc physique, c'est-à-dire la lésion, la dégénérescence. Autrement dit, c'est le mauvais fonctionnement d'une mécanique qui entraîne son usure, la dégradation de ses structures, comme c'est la mauvaise marche du pied qui détruit la chaussure, qui déforme et détruit la chaussure qui le chausse, du fait que la matière est née de la négativation des pensées immatérielles, des dieux originels, par simple abaissement entretenu de leur fréquence vibratoire, prouve par là même que nous somatisons tous nos états mentaux. Ceci prouve également que nos dissymétries mentales sont la cause de nos dysfonctionnements organiques et conséquemment de nos dissymétries structurelles, donc de nos altérations organiques et morphologiques notamment. Ce qui me fait dire en toute logique qu'il n'existe pas de maladie non accidentelle d'origine physique, mais seulement des maladies non accidentelles d'origine mentale s'exprimant à travers une structure organique prédisposée, c'est-à-dire encrassée d'une part et carencée d'autre part par suite d'un mode existentiel anti-hygiénique, anti-biologique, résultant d'une négativité mentale vécue consciemment ou inconsciemment. En d'autres termes, chacun de nous fait sa propre maladie selon la tonalité de ses propres sentiments négatifs, donc conflictuels, habituels, comme chacun de nous fait ses propres tissus à partir des mêmes aliments consommés par tous.
la maladie non accidentelle n'a qu'une seule cause, première, profonde, mais se manifestant sous des formes multiples, apparemment différentes, faisant croire à une multitude de maladies. La maladie non accidentelle est donc à la fois psychosomatique et idiosyncrasique, c'est-à-dire personnel. Un vrai naturopathe, c'est-à-dire un naturopathe hautement compétent, est un thérapeute psychobiologiste qui soigne simultanément le mental et le corps physique d'un malade, et non pas son corps physique seulement. Et quand il soigne le corps physique, il le soigne éthiothérapeutiquement ou orthobiologiquement, et non pas antisymptomatiquement. Lors de mes prochains enseignements, je vous expliquerai cela d'une façon plus approfondie. Je reviens un peu dans les Saintes Écritures et je vous dis ceci. Il est écrit dans les Saintes Écritures, « La vie éternelle par le Christ notre Seigneur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la vie, l'acquisition de la symétrie mentale, donc de la force de vie, de la force vitale de symétrie cosmique, qui donne la santé, passe par l'identification à notre subconscient, qui est notre Seigneur, notre serviteur, notre vie, le Christ en nous. Ce qui veut dire que plus on est pur notre mental, plus on s'éloigne de nos excès mentaux, donc de nos fausses croyances, de nos préjugés, de nos a priori, de notre inconscience, bref, de notre ignorance, et plus on épure également notre corps physique. Et plus on s'éloigne des poisons d'origine mentale et physique, et plus on se rapproche conséquemment de notre Christ interne, du royaume de Dieu, qui est notre force vitale, intrinsèque, innée, symétrique, homéostasique, régénérante, guérisseuse. Autrement dit, la vie, donc la santé naturelle, de même que l'esthétique corporelle, et même le succès en tout domaine, passe par la symétrie de notre pensée holistique, symétrie qui est le Christ, notre Seigneur, notre vie, notre Dieu interne, notre subconscient réactionnel, serviteur, concrétiseur, d'où nécessité vitale de se dénuder totalement de nos fausses croyances, de nos préjugés, de nos a priori, vécus consciemment ou inconsciemment. Bref, nécessité vitale de nous dénuder de notre bêtise qui nous enferme dans des malheurs et des souffrances inutiles, d'où nécessité vitale de s'instruire en lisant attentivement certains de mes livres, comme par exemple « La clé du succès », qui apprend à penser positivement, c'est-à-dire à l'endroit. Nécessité de lire également attentivement « Vaincre la maladie, le vieillissement et la mort », qui apprend le vrai secret de la vie heureuse et même de la vie éternelle, de l'absolu bonheur. D'où nécessité vitale également de lire la nouvelle diététique et nutrition 100% anti-régime, qui apprend le vrai secret de la santé naturelle sans aucun médicament, accompagné d'une centaine de recettes, de menus de santé. Et vous trouverez tous ces ouvrages et bien d'autres dans les établissements qu'on va vous citer. Je vous remercie pour votre attention.